Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon petit calendrier pour l'année 2019, tout simplement. Jusqu'ici à chaque fois j'ai acheté les miens bien souvent à Carrefour parce que c'est là que je trouvais les plus jolis. Mais à chaque fois je trouvais que c'était super cher, je le faisais parce que j'avais vraiment besoin d'un calendrier. Mais cette année j'ai préféré le faire moi-même de A à Z et c'est beaucoup mieux comme ça. Et du coup j'en ai profité pour vous faire la vidéo en même temps. Voilà. Ce petit calendrier, je vais utiliser un bloc de papier 30-30 que j'ai trouvé chez Action. Donc là, on a le choix au niveau des coloris, on prend ce qu'on veut. Donc j'ai choisi des couleurs un peu, ouais, de façon galaxie ou pas. Ma fille appelle ça plutôt du papier licorne. Donc avant, on appelle ça comme on veut. Bref, voilà. Et je vais aussi utiliser des feuilles blanches, tout ce qu'il y a de plus simple. De quoi découper un massicot, une paire de ciseaux, ce qu'on veut. Donc pareil, moi, mon massicot il vient de chez Action. Je vais aussi utiliser de la colle, donc là on a le choix aussi au niveau de la colle, on prend celle qu'on préfère. Donc là moi j'ai sorti les trois parce que je ne savais pas laquelle j'ai utilisé, on verra ça plus tard, on s'en fiche. Des stylos et des crayons pour écrire, c'est logique. Je vais aussi utiliser une petite règle, petite, tout est relatif. Une perforatrice, alors moi j'ai que le modèle mini. Alors bien sûr si vous avez un modèle beaucoup plus grand ça sera beaucoup plus simple, mais moi j'ai que ça sous la main. Donc on va faire avec les moyens du bord. Et pour attacher toutes les feuilles ensemble, j'ai décidé d'utiliser un petit ruban parce que je trouvais ça beaucoup plus mignon. Personnellement, moi je préfère comme ça. Au lieu, plutôt que d'acheter une spirale à anneaux, je trouve pas ça très joli. Mais après voilà, moi j'ai décidé de le nouer de cette façon-là, mais on peut bien évidemment faire différemment. Voilà, voilà. Et donc maintenant, c'est parti. Alors j'espère que je n'ai rien oublié, donc maintenant on va pouvoir passer. C'est parti, je vais commencer par prendre 12 feuilles dans mon petit bloc. 12 feuilles pour les 12 mois de l'année, bien évidemment. Alors on peut en prendre 2 de plus pour faire la couverture et la fin, si on veut. Mais moi j'ai voulu faire directement. Voilà. Donc j'ai pris les 12 à la suite, comme ça, ça c'est fait. Voilà, j'ai pris toutes les feuilles dans le même bloc. Comme ça, moi je suis sûre de ne pas avoir de faute de goût, que tous les papiers sont assortis tous ensemble. Voilà. Et ensuite, on va s'occuper des feuilles blanches. Donc là, j'en ai 6 que je vais venir couper en deux au milieu. Voilà, tout simplement. Donc c'est des feuilles A4, le format classique 21-29-7. Donc je les découpe au milieu. C'est-à-dire à 14,8 cm. Et donc je vais venir faire ça avec mes 6 feuilles pour au final en obtenir 12. Et donc voilà, maintenant j'obtiens 12 petits rectangles. Donc je pourrais laisser mes papiers 30 par 30, mais finalement je vais les découper sur le côté pour obtenir un calendrier tout en long plutôt qu'un calendrier carré. Mais encore une fois, après on fait comme on veut, là c'est juste moi qui ai envie de faire ça comme ça. Donc du coup je vais enlever 5 cm sur le côté. Et je vais venir faire ça sur les 12 feuilles. Donc voilà, je me retrouve avec 12 feuilles 25 par 30. Et 12 feuilles blanches 14,5 par 21 si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Voilà, donc le pluchon est terminé, maintenant on va pouvoir s'amuser. Ce qui est bien avec les chutes de papier, c'est qu'on n'est pas obligé de les foutre en l'air, hein, bien au contraire, moi je suis pour la récup. Et on peut en fabriquer, on peut se fabriquer des tags ou bien alors des marque-pages ou plein d'autres choses avec. Donc ça c'est plutôt cool. Moi j'ai dit une bêtise, j'ai dit le pluchon est terminé, mais non, maintenant on va devoir perforer toutes les pages. Ça c'est bien chiant quand même. Hein. Alors avec ma règle et un crayon, je vais marquer tous les 2 cm à peu près où est-ce que je vais devoir perforer. Tous les 2 cm à peu près, je vais venir faire un petit point et je vais perforer tout ça après. Sur toutes les pages, youhou! En plus, ma pauvre perforatrice, elle commence à être fatiguée. Donc voilà, maintenant on s'amuse à faire ça avec les 12 feuilles. Enfin, les 11 autres plutôt. Donc voilà, maintenant toutes mes feuilles sont perforées. Donc c'est un calendrier qui est assez long à faire, mais il n'y a vraiment, mais vraiment rien de compliqué parce qu'il est très minimaliste. L'air de rien. Il est très simple. J'en ai profité, j'ai pris un peu d'avance et j'ai commencé à écrire les mois de l'année au crayon à papier pour pouvoir après les repasser au noir tout simplement. En attendant, on va passer à notre petite feuille blanche et on va venir faire plein de quadrillages pour les jours de la semaine. Donc là encore une fois, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est assez simple et les carreaux font à peu près 3 sur 3 cm. La feuille s'y prête bien, c'est ça qui est cool. T'as pas besoin de trop calculer. Donc moi personnellement je tenais vraiment à faire des grandes cases parce que j'aime bien écrire des choses dans mon calendrier, les rendez-vous, les événements, enfin plein de choses quoi. Donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré faire des grandes cases, mais bien sûr vous pouvez faire comme vous voulez.
même si j'ai déjà mon bullet journal pour écrire les événements, j'aime bien avoir mon petit calendrier aussi. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à s'amuser à faire ça avec les 11 autres feuilles. C'est super chiant, c'est répétitif, mais bon, on est obligé de passer par là. Donc j'ai décidé de faire tout au stylo noir puisque mes pages sont déjà assez colorées, donc j'avais pas besoin d'en rajouter plus. Donc voilà, tous mes tableaux, mes petits quadrillages sont terminés, c'était très long. Alors je vais en premier avec mon stylo Bic qui a fui forcément, sinon on a foutu le problème de ces stylos là, mais sinon à part ça c'est pas grave, tout va bien. Donc maintenant je vais pouvoir venir coller chaque petit quadrillage sur mes pages. Donc je vais venir laisser 2 cm de chaque côté, en haut et sur les côtés, voilà. Donc avant de venir coller mon calendrier, je vais venir écrire les jours de la semaine. Et après, les jours vides, ben, je peux très bien les découper ou alors les laisser comme ça, c'est comme on veut. Donc voilà, pour le mois de janvier, c'est terminé et maintenant on va passer aux autres mois, bien évidemment. Les parties les plus chiantes sont maintenant terminées et là on va pouvoir passer à la partie la plus amusante. En tout cas pour ma part c'est celle que je préfère. On va écrire tous les jours de l'année, enfin tous les mois de l'année pardon, avec le petit stylo noir. Donc moi j'ai choisi un stylo noir calligraphie qui vient de chez Action. Alors il fait pas vraiment la calligraphie mais c'est pas grave. Voilà, il fera l'affaire. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà écrit les mois à l'avance au crayon à papier. Maintenant j'ai plus qu'à repasser au noir, tout simplement. Donc c'est la première fois que je me sers de ce stylo là, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai peur de faire des bêtises, mais c'est pas grave. On est parti. J'ai la main qui tremble, c'est horrible. Maintenant le travail est quasiment terminé, il n'y a plus qu'à rajouter le petit ruban pour nouer tout ça en haut. Voilà. Voilà voilà. Donc pour nouer tout ça, il n'y a rien de compliqué. Je commence à faire un petit nœud sur le premier trou et après j'encercle tout ça. Si je peux dire ça comme ça. Voilà notre petit calendrier maintenant terminé. Bon, forcément au début c'est un petit peu dur, faut le temps que le papier se fasse. Et voilà le résultat, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant la prochaine vidéo qui arrivera très très prochainement, et ben, je vous fais tout plein de gros poutous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.